Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière partie de ce Let's Play Mega Man 4, cette fois j'en suis sûr. Puis d'entrée de jeu, on va pas tergiverser. Hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cette piscine, on l'a déjà assez vue. Alors on se précipite, on fait ça comme un sac. Vraiment comme un sac. Là on avait fait ça la loyale dans le let's play d'avant. Maintenant on fait ça pas plus à la loyale justement. Et ouais, le cheese est possible. On va se recharger en anneau. Maintenant je suis con, il n'y a plus le... je l'ai pris tout à l'heure. On va quand même se recharger en anneau là maintenant. Je pense qu'on va le faire au Mega Buster. Je vais m'occuper de ta mère moi, tiens. Je vais essayer un truc avant. Mais je pensais qu'on pouvait la passer en dessous et faire une connerie. Oh, le derviche. Allez, je te laisse en vie. Pff, ouais, on va faire ça au Buster classique. Très classique. Ou alors, c'est une histoire de rythme. Faut pas se faire bloquer. Comme ça, là. Faut pas faire ça. Avoir de la chance avec la RNG sur les métals. Une bonne distance, on attend un peu. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe, faudrait que je saute. Ouais, j'ai un très mauvaise élévation des distances là. Ah putain. Je me fais troller par ce boss ridicule. Veuillez m'excuser. Dernier bloc. Le premier timing est un peu chelou. Voilà. On va passer en haut. Pourquoi en haut? Pourquoi pas? Allez, on va être du mur pacifique. Il faut varier ses runs quand on joue à Mega Man pour que ça soit amusant. Et là, ça, je vous commence à vous dire que je suis en train d'avoir gros sur la patate de plus réussir à. Voilà, c'est comme ça. Là, je pouvais pas sauter. Là, j'étais trop loin. Bon, ça va bien se passer. C'est une question de connaître là, d'avoir une bonne distance. Je pense que là ça va être bon. Décidément,
Décidément, décidément. Bonjour et bienvenue dans cette avant-dernière partie de ce let's play Mega Man 4. Je pense que c'est l'avant-dernière cette fois. On s'était fait. On s'était promis une déculottée par leur mère. Du coup, on va y retourner Fissa. Et se venger. Et là, on s'en rappelle bien. Hop. Directement. Là, idem, je m'en souviens bien. On attend un petit peu. Voilà. Ah, techniquement, j'en suis souvenu, hein. J'y suis allé un petit peu vite en besogne, certes. Mais je m'en rappelais. Donc, comment varier les plaisirs ici? Pas une bonne idée, hein. C'est pas une bonne idée du tout ce que je fais. Ah, je fais le couillon, je crève. C'est pas grave. En plus, ça serait bien parce qu'il me faudrait sûrement un tour de chauffe encore contre Maman Métal. Tu veux comme quoi rester sur les classiques. Là, j'étais un peu lent. Rapide du coup. Hop là. Bon, ça devrait pas nous poser de problème. Le bloc apparaît, on fait directement un double saut. 1. Le bloc apparaît, on fait directement un double saut. Voilà, merci. On s'accroche à l'échelle. En cas de bêtise, on utilise Wire. On sait jamais. Sauver la mise. Là, vu que on va être pacifique cette fois, parce que bon, connerie. Je suis chaud. On va être pacifique cette fois. Voilà, connerie. On va le faire au Buster. De toute façon, c'est une question d'avoir un peu de chance quand les 4 métals tombent sur nous. Et si jamais je chope vite le coup. Ça devrait aller très vite. Donc là, j'étais un peu tard parce que j'ai pas eu le temps de sauter, je me suis fait paralyser par l'onde de choc. Pas trop tôt. Ah, les métals qui tombent du ciel, c'est vraiment dur de... Trop tôt, j'ai pas de bol. Ah, je vais encore crever. Voilà. Voilà le timing cette fois. Voilà, pas de manière consistante, je suis mort. Oh, j'ai eu de la chance. C'était chaud. Faut jamais les sous-estimer, hein. Allez, on va attaquer le deuxième stage de la forteresse Wily. Je pense que c'est vraiment celle-là, là, le stage low cost. Je pense que c'est pas un stage qui réunit tout ce qui fait le sel d'une forteresse Wily, mais condensé. En un petit niveau. Ou alors on est déjà au boss rush. Je ne sais plus.
dedans. Non. Non, non, j'ai fait le con. Passe par en... Oh, c'est dégueulasse. Je m'en rappelle plus. On va recommencer un autre jeu. Allez, il ne s'est rien passé. Ce niveau-là, je le connais de façon. Non, c'est pas vrai. Là, pour pas se faire surprendre, on va directement utiliser... Voilà. J'aurais dû accepter de prendre le coup tout à l'heure. Wouhou. Alors est-ce que j'ai bien fait de passer par en je fais démonter. Pire c'est que je pourrais te les éliminer avec un anneau, je crois. J'ai dit trop de bêtises pendant ce let's play. On va passer à... on va varier les plaisirs. L'échelle est tombée, hein. Notre pote Eddy qui nous a filé une vie, et je pense que c'est à droite qu'il faut aller. Si je me rappelle bien, c'est un troll. Ouais. J'avais complètement oublié les chenilles. Wire. Oh, il y a les Moumira. Comment ils s'appellent? Pourquoi j'ai pas glissé? Curieux. Ah, ok, elles sont... Oh, c'est bon. Que ça à foutre. Batman, Megaman. Je pense que passer à gauche fut avisé. C'est un contrôle. Je pourrais utiliser Toadman, hein. Non, non, on n'a pas besoin. Nous n'en avons pas besoin. C'est vicieux, c'est vicieux. Mais pas suffisant pour m'arrêter. Et lui, je pense qu'il va nous donner d'avoir un deuxième, je suis quasiment sûr. Déjà au boss, alors le second boss c'est qui déjà? Ah oui! Il est excellent. D'autant plus excellent que j'ai trouvé une astuce la dernière fois tout seul. Alors en théorie il faudrait faire ça. Et viser
Sauf qu'on peut escaler là. Viser le. Viser l'espèce de. Et le tout c'est pas être trop, de pas être trop gourmand et de pas passer à. De pas se faire toucher par la flamme. Bah voilà, c'était facile hein. Je vous aurais montré comment le toucher à la loyale. Remarquez que j'ai pris mon temps avant de sauter sur les plateformes quand même, histoire de d'assurer mon coup pour éviter de me prendre un de ces boulets de canon. Et ainsi que d'éviter ces flammes, et voilà. Allez, on va, je pense, faire le boss rush. Avec un bon changement de musique. Si on sait pas ça. Oh, je suis stupide. Je suis. Ah là, je peux pas savoir en fait. Si je suis pas devin. Je me fais martyriser. Et ouais, on est au boss rush, et ben on touche au but, hein. On touche au but, alors qu'est-ce que je vais faire? Peut-être qu'exceptionnellement, je vais arrêter la vidéo là. Histoire de faire un petit 50-50 en ce qu'il nous reste. Ouais, c'est ça. Je vais faire comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère vous avoir amusé, hein. Puis je vous dis à très bientôt pour la fin de ce Mega Man 4. Allez, c'était ce bon vieux kéké. Et à la revoyure. Salut !